bienvenue sur la chaîne de Marie Yogi, la chaîne qui vous rend yogi-mini. Alors, Hag, comment ça va aujourd'hui? J'arrive à rien. Non, je suis tous vos conseils, Marie Yogi. J'essaye d'avaler mon anus à chaque fois, de rester concentrée. Alors, on va reprendre la posture de l'élan gracile ce matin. La base, Agathe. Okay. Vous mettez vos pieds dans le sol et vous montez la tête tout en rentrant votre périnée. Il faut que l'élan soit gracile jusqu'au bout. Mais... Oh, il a pris son envol. Prends ton envol, petit corbeau. Oh, j'ai pris mon envol. Bonjour tout le monde. Non, vous êtes pas... vous dites pas, bon bah là, la meuf a fait quand même le corbeau de côté, non? Vous dites pas... Oh. Non, Benjamin Muller? Non. Bah, je vais essayer de vous le faire faire, on va voir qu'on rigole. Là, je le fais sans les mains. Ah bon? Ok. Ouh, comment il me cherche, faites très attention. Non, en vrai, c'est impressionnant, bravo. Ouais, comment il dit là, sinon elle va me le faire faire. J'avoue que... Bah, c'est-à-dire qu'en fait, en vrai, ça me rend plus fière que d'avoir eu deux enfants. Donc les choses sont bien claires. Voilà, je suis plus fière de mon corbeau que de mes enfants. Que les choses soient bien claires entre nous, on est en direct. Je ne peux plus retirer ce que j'ai dit. Anna Roy, bonjour. Bonjour. Ah, on a remis le masque. Non, j'ai oublié. Comment ça? J'ai oublié de l'enlever, je veux dire. Bah, c'est pas trop tard. Oui, je peux l'enlever. Ah, bah oui. En direct. Mais surtout que vous êtes là, pour le coup, vous êtes à 2 mètres de Benjamin. On oui, explique oui, tout à fait. Là, non, mais j'ai oublié. Là, c'est-à-dire que, bon, on est de plus en plus pressurisés. Nous, on est en Ile-de-France. Donc, fa, tchac, là, champ de mine, quoi. C'est-à-dire que c'est bonjour, ça va? T'as pas de petite fièvre? Tu sens bien, là, le piment que je te mets dans la bouche de force? Donc, on est un peu comme ça. Mais Anna est vaccinée, ça va. Ouais, et nous, ouais. On fait très attention aux normes sanitaires. Anna, de quoi on parle aujourd'hui? Du postpartum, et on verra qu'il dure 3 ans. On verra ça. Oui, ben je confirme. 3 ans, mais c'est vrai. Hein. Ah ouais, et personne ne le dit. 9 mois pour le faire, 9 mois ouais. Pour le défaire, non. 9 mois pour le faire, 3 ans pour le défaire. Mais bon, voilà, après, c'est pas 3 ans non plus à être au bout de sa vie. Hein. Non, mais c'est 3 ans. Très ça bien. Vous nous donnerez les détails. Benjamin Muller. On va faire un point sur le site d'action qui aura lieu tout le week-end avec une invitée exceptionnelle qui va nous illustrer en fait tous les énormes progrès de la médecine vis-à-vis de ce virus dont on parle forcément un peu moins en ce moment, alors que vous allez... Voilà, mais c'est bien, il faut continuer à en parler. Et puis Marie-Père Arnaud, vous avez encore fouiné, petit Renardo curieux. Oui, vous ne faites pas que prof de yoga. Non, à mes heures perdues, je fouine sur Instagram à la recherche des mamans créatrices, celles qui se sont lancées avec la maternité pour notre plus grand plaisir. Alors, je vous invite à écouter, puisqu'on en parle quasiment tous les jours dans cette émission, le podcast de la Maison des Maternelles, Benjamin Muller, qui cartonne et qui est encore un outil supplémentaire, en plus du site, en plus de l'émission, pour vous accompagner dans ce long chemin de la parentalité. On est en direct, vous l'aurez remarqué, j'ai réussi mon corbeau de côté en direct. Vous pouvez nous poser vos questions par SMS au 41555 ou via les réseaux, vous avez toute la panoplie, bien entendu. Cela fait 1 an maintenant que nos enfants, dès la naissance, à la crèche, à l'école, dans la rue, vivent entourés d'adultes masqués. 1 an que les bisous, les câlins avec leurs grands-parents sont limités, voire interdits. 1 an qu'à la maison, la Covid a pris toute la place dans les conversations. Eh bien, eux, comment est-ce qu'ils vivent ça? Parce qu'on a l'impression que c'est une affaire d'adultes. Eh bien, non, forcément, on les oublie un petit peu trop, nos petits. Donc, ce matin, on a décidé de faire un point sur l'impact de la pandémie sur les plus petits. Et pour faire un point, on reçoit la meilleure psychothérapeute d'Europe de l'Ouest. Je le pense vraiment. C'est Hélène Romano, spécialiste des traumas. Elle sera avec nous pour répondre à toutes vos questions sur le sujet. Comment les accompagner au mieux? Peut-être qu'on n'a pas capté non plus qu'il y avait des petites angoisses. Peut-être qu'on était peut-être un peu focalisé sur nos propres peurs. Ce sera l'occasion justement de repérer ce qui doit être repéré. Benjamin, en attendant, plein de questions sont arrivées pour Anna Roy. Allez, c'est parti Anna, plein de questions pour vous. La première est de Marie. Petite question sur les infusions et les thés pendant la grossesse. Certaines plantes sont-elles à éviter? Alors juste rappel, le thé, c'est pas plus de 5 tasses par jour, 3 à 5 tasses par jour à cause de la théine. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait la théine? C'est juste parce que c'est un excitant? Ça accélère le rythme cardiaque du bébé éventuellement si on en prend trop, un peu comme la caféine en fait. C'est 3 à 5 aussi le café ou un peu moins? Un peu moins, plutôt 1 à 3. Ok. Mais encore, si on dépasse, c'est pas dramatique. Hein, vous avez pas. Il y a des idées reçues qui disent qu'on n'a pas le droit de boire de café enceinte. Moi, je me souviens qu'on avait dit ça. Ah non, ça c'est pas vrai. Ah. Ça, c'est pas vrai du tout. Et après, pour ce qui est des infusions, alors il faut pas penser que parce que c'est des plantes, ça peut pas être toxique. Donc évidemment, normalement, les infusions qui sont vendues dans le commerce, il y a pas de problème. Après, si vous allez chez un herboriste, précisez-lui que vous êtes enceinte, évidemment.
Pour ne pas prendre une plante abortive. Camille, elle souhaiterait avoir des conseils sur les... Oui. Non, mais vous voyez... Ah oui. Ce serait embêtant. Ce serait ballot. Non, mais souvent, les gens pensent plante égale innocivité. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de plantes dans le commerce. Il y a beaucoup de plantes abortives. Non. Mais il y a des plantes qu'on peut en accès libre qui peuvent avoir des effets embêtants, oui. Mais quoi, genre? Framboisier, non? Bah, la framboisier, alors après, le framboisier, je pense qu'avant d'avoir vraiment de contractions... Ouais, il faut manger la plante, là. Mm. Non, mais il faut voir, enfin, demander à l'herboriste. OK. Elle ne veut pas se mouiller. Non, je ne me mouillerai pas. Camille, elle souhaiterait avoir des conseils sur les crèmes et les huiles conseillées pour la prévention des vergetures pendant la grossesse. À quelle fréquence et sur quelle zone les appliquer? Et surtout, est-ce que ça sert à quelque chose, en fait? Alors, au bénéfice du doute, on va le faire, parce qu'on se dit si jamais. Mais c'est vrai que plus, il faut se dire que plus on est âgé, moins on a de vergetures. Hein, plus on a une grossesse tardive, moins on a de vergetures. Et que c'est la faute à pas de bol. Enfin, je veux dire, si la peau doit craquer, elle doit craquer, mais on peut essayer de prévenir quand même. Moi, le conseil qu'on donne souvent, c'est d'hydrater le matin et huiler le soir. D'accord. Une huile végétale d'agriculture biologique le soir et une crème hydratante. Vous les passez. Vous savez, il y a un truc UFC que choisir, quel cosmétique qui est génial, qui vous donne la toxicité présumée des produits. Il y a un onglet femme enceinte. Donc, leur crème hydratante, vous faites ça. Et pour l'huile, une huile biologique. Voilà. Mais c'est vrai que moi, en tant que vieille peau, ça n'a pas craqué, parce que comme j'ai eu mes enfants à 40 ans. Ah, moi, je vois bien, c'est très net. En tant que sage-femme, je vois bien, ça craque, ouais. Ça craque chez les jeunes. Est-ce que ça se répare, les peaux avec vergeture? Non. Ou pas du tout, il n'y a rien à faire. Ça, on voit bien que c'est vous qui posez la question, personne ne l'aurait posé autour de la table. Mais si vous saviez, j'en ai plein le ventre depuis l'adolescence. Ah bon? Vous ne m'avez jamais vue nue? Non, pas encore. Pas encore, mais il paraît que vous avez très envie de vous montrer nue près de moi. C'est vrai. on ne peut rien faire contre ça. Bah, non, mais si, on ne sait jamais. Faites-le, peut-être, voilà. Non, mais j'y crois pas trop. On fout un peu, en vrai. Non, pour moi. Question vidéo envoyée par Nadège. Passons à autre chose. Bonjour, enceinte de mon premier enfant. Je suis tatouée tout le long de la colonne vertébrale. On m'a très souvent dit que c'était incompatible avec une péridurale, même si j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les mentalités changent et j'entends de temps en temps qu'il est finalement possible d'y avoir accès. Est-ce que du coup on y a accès ou pas du tout? Et surtout, est-ce qu'il existe des alternatives pour essayer de nous soulager au mieux le jour de l'accouchement? Merci. Alors c'est monsieur l'anesthésiste qu'elle sera obligée de voir 7e, 8e mois qui va trancher. Ça dépend d'où est localisé. Normalement, ils arrivent toujours à trouver des accès pour pouvoir... Faudrait vraiment pas avoir de bol, faut vraiment avoir un tatouage. Alors j'en ai déjà vu, des tatouages qui rendent impossible la pose de la péridurale, mais c'est quand même hyper rare. Sauf qu'il y a certains anesthésistes même qui acceptent, malgré le tatouage, de poser une péridurale. Donc faut vraiment voir avec l'anesthésiste de la maternité. Okay. Des alternatives, bien sûr qu'il y en a. Il faut rappeler que les femmes du Royaume-Uni ou les femmes suédoises ou n'importe tous les pays du Nord, elles sont à 50%, même plus parfois, à accoucher sans péridurale. On peut bien sûr accoucher sans péridurale. Il faut des outils, il faut être accompagné. On n'est pas très fort. Ça se prépare pendant la grossesse. Ouais, il faut prendre des rendez-vous avec une sage-femme libérale en préparation à la naissance, des rendez-vous individuels. Après, malheureusement. Des alternatives médicales. Si alternatives médicales. Non, pas vraiment. Il n'y a rien qui marche vraiment. Il y a la morphine à assez haute dose, mais même, ça ne fait pas très effet. C'est dire à quel point ça fait mal d'accoucher, d'ailleurs. Ah oui. Et il n'y avait pas du gaz hilarant? Le gaz hilarant, moi j'aime beaucoup ça. C'est en Angleterre, non, justement? Ouais, mais même en France, au Bleuet, par exemple, on l'utilise tous les jours. C'est vraiment chouette, le gaz hilarant. Surtout que vous avez l'effet tant que vous respirez. Si vous ne respirez plus, vous n'avez pas l'effet, donc ça vaut le coup d'être essayé. Ça s'appelle aussi Calinox pour les femmes ou protoxyde d'azote. Okay. Et en revanche, c'est très impressionnant quand c'est fait aux enfants. Oui. Parce que moi, quand Félix s'est fait recoudre le menton, là, on lui mettait du gaz hilarant, je ne reconnaissais pas mon gosse. C'était horrible. Non, il était là. On l'a fait en sortie de garde, non, c'est vraiment marrant. Ah, d'accord. Sur les prises murales, en sortie de garde. On n'était pas en garde. Il se défonce le crâne en sortie de garde. Eh bien, allez, prends un peu de gaz hilarant. Non, mais il faut bien tester ce qu'on donne. Bien sûr. Ouais. Mais c'est vrai que sur les enfants, c'est assez efficace. Marie, on a une question pour vous de Marion. Oui. Marie, pourrait-elle nous faire un point sur les porte-bébés de randonnée? Je suis perdue, je ne sais pas quoi choisir. Marion, vous n'avez probablement pas été sur le portail de la maison des maternelles. J'avais fait un point sur les porte-bébés de randonnée. Néanmoins, je vais vous faire rapidement. Ça dépend vraiment du type de randonnée et du poids et de l'âge de votre bébé. Pour un tout petit et des randonnées assez courtes, on va privilégier un porte-bébé physiologique comme un Boba, un Ergo Baby ou un porte-bébé physio. J'en ai présenté beaucoup. Et pour les randonnées plus longues avec des enfants plus grands, on va privilégier un confort un petit peu meilleur pour le porteur. Et on va prendre ces sacs à dos de randonnée où le bébé va être assis à l'intérieur, donc moins physiologique, mais en tout cas, ça sera plus confortable pour lui sur la durée et pour le porteur aussi. Et puis, il est en hauteur, il voit. C'est individualisé. Question de Nicolas, alors elle est pour tous les deux, Anna. Le début, c'est pour vous. Ma femme et moi souhaiterions avoir recours à un accouchement à quatre mains. Pourriez-vous nous expliquer le déroulement d'un tel accouchement? Puis après, il me demande, est-ce que les kilos pris par les papas s'en vont aussi à l'accouchement?
Mm-hmm. Allez-y, répondez d'abord. Évidemment. Je veux dire, au moment où votre femme accouche, tablette de chocolat, enfin, c'est une évidence, Nicolas. Surtout, ne faites pas de sport. Surtout pas, c'est pas la peine pour la couvade. Pour l'accouchement à quatre mains. Alors, l'accouchement à quatre mains, ça veut dire que le papa va mettre ses mains et faire l'accouchement avec la sage-femme. C'est-à-dire qu'en fait, il met ses mains et nous, on met les mains par-dessus et on fait l'accouchement ensemble. Il faut tomber sur une professionnelle qui accepte d'abord. Tout le monde n'accepte pas de faire des accouchements à quatre mains, parce que la responsabilité, in fine, incombe à la sage-femme en cas de problème. Mais pourquoi pas? Mais en ce moment, c'est pas un peu plus compliqué de se coller aux coparents, là? Si, un peu. Si, si. En plus de fait, oui, tout à fait. Et puis, il faut quand même qu'il réfléchisse bien, Nicolas. Peut-être qu'il n'est pas du tout sensible, mais il y a que les sages-femmes. Il y a beaucoup. Les sages-femmes trouvent ça magnifique, hein, une tête d'un enfant et la vie comme ça qui nous pète dans les mains. Mais tout le monde trouve pas ça beau. Là, oui, c'est le sexe de sa femme. Être... Attention, hein. Ça peut être traumatisant. Ouais. Ben, puis, c'est à double tranchant, quoi. Je suis justement en train de faire le prochain podcast des maternelles qui sortira la semaine prochaine. Le thème, c'est le sexe après l'accouchement. J'ai reçu des témoignages de pères qui disent j'ai vu. J'aurais préféré ne pas voir. Ils ne pensaient pas que ça traumatiserait leur vie sexuelle après. C'est un vrai sujet, ça. Ça, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, on en reparlera dans une carte blanche. Ouais, non, vraiment, attention, quoi. Ça se trouve, ça ne lui fera rien, mais si ça lui fait quelque chose... C'est trop tard. Bah ouais. Merci. Voilà, Nicolas. Bonne journée. Allez, à vous. Bisous, bisous. Adieu l'accouchement à quatre mains et pas adieu les kilos, apparemment. Merci beaucoup, Anna. Merci, Benjamin. Être enceinte et séropositive il y a quelques années, c'était la certitude de transmettre le virus à son bébé. Aujourd'hui, grâce à la recherche, grâce aux médicaments, la donne a changé. Et demain démarre le week-end du SIDAction. 3 jours de mobilisation, 3 jours très importants de sensibilisation et de collecte auprès du grand public afin de lutter contre cette maladie dont, c'est vrai, on ne parle plus, notamment depuis un an. Et pourtant, 173 000 personnes vivent encore avec le VIH aujourd'hui en France. Week-end important pour que la recherche avance toujours plus. Ce matin, nous sommes en ligne avec Pascale. Alors Pascale, pour vous la présenter, elle est séropositive depuis 37 ans aujourd'hui. Elle est maman et même grand-mère aujourd'hui. Elle va nous raconter son histoire qui est touchante et pleine d'espoir aussi. Bonjour Pascale. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour Pascal. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin. Donc bon, je résume grossièrement votre histoire. Vous avez été contaminée par le VIH en 1984 et vous ne vous êtes rendu compte qu'en 1994, quand vous tombez malade, donc 10 ans plus tard. Entre-temps, vous étiez devenue maman en 87, c'est-à-dire 3 ans après avoir été infectée. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur le moment où vous apprenez que vous êtes atteinte du VIH, c'est en plein dans les années noires du sida. Oui, tout à fait. Donc en 94, quand j'ai appris que j'étais séropositive, le médecin à l'hôpital m'a dit que j'avais 2-3 ans à vivre. Voilà. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que la ZT comme traitement et les gens mouraient énormément du sida. Donc voilà, c'était les annonces, elles étaient brutales, elles étaient vraiment brutales. Oui. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire quand on apprend qu'il nous reste 3 ans à vivre. Donc ça, c'était en 94. Vous étiez donc déjà maman d'une petite fille qui, a priori, allait très bien. D'ailleurs, les médecins vous disent, bah, écoutez, il n'y a aucun signe clinique, tout va bien. A priori, elle a pas le sida. Néanmoins, il y a un médecin qui dit, on va quand même tester. Voilà. Il m'a dit, il vaut mieux, je préfère qu'on la teste. Et donc, 15 jours après, on a appris que ma fille était séropositive aussi. Et elle avait 6 ans et demi. Et on vous dit, je crois, que pour elle aussi, l'espérance de vie est plus que raccourcie à l'époque. Voilà, le médecin m'a clairement dit qu'elle n'arriverait pas à l'adolescence. Voilà. Bon, voilà pour le contexte. On ne peut pas imaginer votre culpabilité. Vous avez dit tout à l'heure, le seul traitement qui existait, c'était l'AZT. Alors aujourd'hui, là aussi, on en parle moins. Il y a 20 ans, on en parlait beaucoup. Il faut juste rappeler l'horreur du traitement, en fait. Alors, c'était un traitement extrêmement lourd, avec beaucoup d'effets indésirables. Et surtout, il fallait le prendre toutes les 4 heures. Donc, c'était très contraignant. Et c'était un traitement qui nous rendait malades. Enfin, c'était assez terrible, quoi. Mais il n'y avait que ça à l'époque. Ouais. Toutes les 4 heures, de jour comme de nuit. Comme de nuit. Pour vous, comme pour votre fille, d'ailleurs, en un mot, ça allait pour lui donner ce traitement toutes les 4 heures. Enfin, je veux dire, c'était une vie à part, en dehors du temps, quoi. Mais oui, ben je la réveillais la nuit, mais bon, elle se rendait pas compte, elle se rendormait en suivant, et puis de toute façon, elle a pas du tout été traumatisée parce qu'elle a aucun mauvais souvenir, quoi. Enfin, peut-être qu'elle a mis ça quelque part dans sa tête, mais c'était surtout à l'école que ça me posait un problème parce que évidemment, il fallait pas que je dise à l'école que ma fille était séropositive pour pas qu'elle se fasse rejeter. Donc, ce n'était pas non plus marqué dans le carnet de santé. Et puis, là, à l'hôpital, on m'avait bien dit surtout qu'il ne fallait absolument pas le dire. Donc, on vivait ça dans le secret total. Donc, se posait le problème de comment lui donner le traitement à l'école. Donc, j'avais dit à la maîtresse qu'elle avait un problème d'allergie. Et j'avais mis l'AZT dans un vieux flacon. Et puis, voilà, la maîtresse lui donnait son AZT toutes les 4 heures, sans savoir ce que c'était.
On oublie à quel point, à l'époque, les gens contaminés étaient considérés comme des pestiférés. Ce qu'il faut comme absolument dire aujourd'hui, avant le week-end, qui est très important, c'est que grâce à la recherche, grâce aux innovations médicales, tout a changé, notamment bon, par le traitement. Aujourd'hui, c'est plus qu'une pilule par jour, donc ça n'a plus rien à voir, avec des effets secondaires qui n'ont là aussi rien à voir. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes grand-mère depuis 5 ans. Votre fille, qui est donc séropositive, a pu avoir un petit garçon qui est né séronégatif. Tout ça, c'est donc possible aujourd'hui, grâce à la recherche. Tout à fait. Grâce au traitement, grâce aux trithérapies, qui en fait, on a une charge virale indétectable quand on prend les traitements qui fonctionnent bien, c'est-à-dire qu'on n'est plus contaminant. On ne peut plus contaminer nos partenaires sexuels, donc on n'a plus besoin d'utiliser de préservatif à partir du moment où on a un traitement qui fonctionne bien, je précise bien. Et les mamans, les futures mamans, elles peuvent avoir un bébé sans problème, voilà. Par contre, le bébé, à la naissance, il prend un petit traitement pendant, je crois, 3 ou 4 semaines. Et ensuite, le bébé est en parfaite santé, quoi. La maman ne peut plus contaminer son bébé, et ça, c'est énorme. C'est vraiment... Énorme. On voit le chemin qui a été accompli en 30 ans. C'est entre extraordinaire. Le regard des autres, les médicaments, la trithérapie, et puis effectivement, la grossesse, l'accouchement d'enfants. Merci beaucoup, tout Pascal. Je l'avais dit, hein. Message plein d'espoir grâce à vous. Donc c'est très important, on tenait vraiment à le signaler dans la Maison des Maternelles. Pour faire un don, soutenir le SIDAction en ligne, c'est sur le site sidaction.org. Paiement 100% sécurisé. Par SMS, vous faites un don de 5 euros par SMS en envoyant juste don, D-O-N 92-110, seulement 5 euros, c'est indolore. Et à partir de demain, vous pouvez bien sûr appeler le 110. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez réagir, témoigner, nous envoyer vos suggestions sur Facebook, Instagram, Twitter, toute la panoplie des réseaux. Et puis, dès que vous avez une angoisse ou dès que vous vous sentez un petit peu frustré, que vous voulez en savoir plus sur un thème qu'on a évoqué dans la Maison des Maternelles, vous pouvez aller 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur le portail de la Maison des Maternelles, lamaisondesmaternelles.fr, ou scanner le QR code qui est en bas de votre écran. On part souvent du principe que les enfants s'adaptent à tout. On dit, oh bah oui, bah le masque, bah oui, mais vous savez, les enfants, ils s'adaptent. Hein. Je l'ai dit, moi. Bah moi aussi, je le dis tous les jours. Mais finalement, est-ce qu'ils la vivent si bien, cette pandémie, et qui nous stresse, nous, tellement depuis un an? On va en parler avec notre psychothérapeute préféré. C'est l'heure de partager. Depuis un an, la pandémie impacte nos enfants dans leurs habitudes de vie, et ceci dès leur plus jeune âge. Des adultes masqués à la crèche, à la maternelle, des réunions de famille ou des réunions amicales qui sont interdites, des activités périscolaires qui sont suspendues. Mais on ne se rend pas compte quand même. Vous vous rendez compte déjà tout ce que je viens de dire? Alors comment nos enfants vivent-ils cette crise sanitaire qui n'en finit pas? Quelles conséquences sur leur développement? Comment les rassurer quand soi-même on est ultra angoissé? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons ce matin Hélène Romano. Bonjour Hélène, bonjour, merci Juliette. D'être avec nous. Vous êtes psychothérapeute, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Je vais en citer un là maintenant, L'enfant face au traumatisme. C'est aux éditions Duno. Et c'est vrai qu'on peut parler de véritable traumatisme par rapport à ce qu'on vit depuis un an. Et c'est vrai que même dans la Maison des Maternelles, on l'a évoqué un peu comme ça, on n'a jamais fait une émission consacrée à ça. Alors on a reçu beaucoup de questions, Hélène, beaucoup de récits de parents sur les bouleversements que subissent leurs enfants là depuis un an. Est-ce que vous avez le sentiment que la société prend en compte leurs angoisses passées ou futures, ou bien que les enfants sont les grands oubliés de cette pandémie? Il y a un an, je me souviens que vous nous aviez dit, on était en plein confinement, on faisait les émissions de chez nous, et vous leviez le poing en disant, mais les enfants, on n'en parle pas du tout. Est-ce qu'après un an, vous faites le même constat? Au niveau de la société, les gens s'en rendent compte parce que les parents voient les impacts. Par contre, au niveau des décideurs, des politiques, il y a des effets d'annonce, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de proposition de prise en charge très concrète dans l'accompagnement des tout-petits en particulier, et des professionnels qui s'occupent des tout-petits, parce que l'enfant, il est impacté pour lui-même, et surtout par rapport au stress des adultes et des asthmates, des auxiliaires, des parents qui sont stressés, vont inévitablement contaminer l'enfant par leur propre stress. Donc, ils ont besoin aussi d'espace pour qu'on prenne soin d'eux. Prendre soin de l'enfant, il faut prendre soin de l'adulte. Et là, on n'a pas tellement avancé. Une première question pour vous de la part de Perrine. Comment expliquer le virus, la pandémie, maintenant les variants, à des enfants de moins de 6 ans?
C'est très flou. Alors, c'est important de leur en parler. Ils ne vont pas comprendre comme un adulte, mais c'est important de mettre des mots dessus parce qu'il n'y aura pas de secret. On a souvent tendance à dire, l'enfant, ça ne sert à rien de lui parler. En fait, non, il faut lui en parler. On peut prendre une image. Alors, les images, elles sont très grosses. Hein. Si on imprime en A4 le virus du Covid, ça va être impressionnant. Mais leur dire que c'est tout petit, on ne le voit pas. On peut leur donner la métaphore du pouls. Parce que le pouls, ça leur parle un petit peu quand même quand ils sont petits. Ça ne se voit pas, mais on sait qu'il peut y en avoir. Et expliquer que c'est microscopique, que ça s'appelle un virus. Lui donner son nom, c'est la Covid. Et il a un tas de cousins qu'on appelle les variants. C'est assez simple. Mais comme c'est un virus qu'on ne connaît pas, c'est pour ça qu'on change aussi des décisions et l'organisation de la vie. Et de bien préciser que c'est le président de la République. Ce n'est pas moi, ni maman, ni papa qui décidons. C'est le président. Donc ça met un petit peu la figure, en psy, on appelle ça surmouïque, l'autorité. C'est extrêmement important pour les parents, et puis parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord avec les décisions prises, et pour l'enfant. Autre question d'Aurélie. Nélio est né en août 2020, en pleine période Covid, nous dit-elle. Il n'est pas habitué à voir du monde, car dès sa naissance, évidemment, on l'a préservé. Il pleure dès qu'il voit ses grands-parents. Sa rentrée en crèche a été une catastrophe. Des pleurs et des hurlements pendant une semaine. Il a un grand besoin d'être rassuré. La Covid a-t-elle rendu nos bébés plus sensibles ou plus peureux ? Ça, c'est constaté par tous les professionnels. Et il y a une étude qui a été faite par la Société française de pédiatrie qui montre qu'il y a plus de 35% de troubles anxieux chez les tout-petits. Donc, difficulté à la séparation, difficulté à être seul, angoisse le soir, enfin, des choses. Dès qu'il y a des changements, ils sont extrêmement angoissés. Mmh. Puis, angoisse face au visage. Mmh. Vous avez des petits, entre autres en pouponnière, qui ont vécu plusieurs mois avec uniquement des adultes avec masque. Et quand ils défaisaient les masques, ils hurlaient parce qu'ils n'étaient pas habitués. Ils n'avaient jamais vu un être humain. Mais non, avec une bouche. Et l'enfant, il a besoin de se caler sur la bouche, le visage, le bas du visage, pour comprendre les émotions, s'ajuster et puis apprendre à parler. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Justement, à propos du port du masque, on a reçu une question en vidéo d'Estelle. Bonjour la maison des maternelles. Je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans qui va à la crèche. Le personnel est masqué, bien entendu, mais n'utilise pas de masque transparent car il protège moins que les masques classiques. Je voulais savoir si cela pouvait avoir un impact sur le développement du langage et également si cela pouvait avoir des répercussions psychologiques. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Alors en vrai, maintenant, il y a des masques qui protègent tout autant transparents mais qui coûtent très cher. Pour les collectivités. Très cher et c'est taille unique. Donc si vous avez un petit visage, ça va. Si vous avez un visage un petit peu plus rond et parce que vous êtes plus corpulent, ça colle et vous avez l'impression d'avoir des gens qui ont fait du botox déconfit. Donc c'est pas terrible. Puis il y a la buée, donc ça pose un véritable problème. C'est vrai que c'est moins sécurisé au niveau des transmissions, ça a été prouvé. Donc on préfère les masques chirurgicaux. Mais pour les enfants, pour les bébés, ils voient pas la bouche. Donc il y a beaucoup d'orthophonistes qui s'inquiètent et ça, il y a que les études qui verront dans le temps si en effet il y a des répercussions. C'est une hypothèse qu'on fait en termes de lien d'attachement et de retard de langage, parce qu'on sait que l'enfant se cale sur la bouche pour apprendre et décrypter ce qui est dit. Et aussi, enfin, de retard de lecture aussi. Oui, tout à fait. Hein. Oui. Parce que moi, la prof de CP de mon fils l'a dit en réunion au début de l'année, elle dit, je ne sais pas comment je vais faire pour faire apprendre des sons à des enfants derrière un masque. En fait, c'est aux parents de prendre le relais, quoi. Mais oui, oui, mais bon, c'est que les parents, ils peuvent pas tout faire non plus. Bien sûr, bien sûr. On n'a pas l'expertise des profs. Mmh. Alors justement, pour illustrer ce que vous disiez, depuis quelques mois, certaines crèches les testent, ces masques transparents, des masques inclusifs, aussi bien pour les parents que pour les enfants accueillis à la crèche. C'est un reportage à la crèche Bioconvention à Paris. C'est un reportage de Bérénice Gabriel. On enlève le manteau, hop, on va duper. Il a pris 180 ml ce matin à 8h. D'accord. Pas de fièvre. Et tout va bien. Et vas-y, vas-y. L'arrivée des masques transparents, pour moi, c'est beaucoup plus facile, étant donné que j'ai des problèmes de surdité. Je trouve ça beaucoup plus simple, en fait, qu'on puisse voir les lèvres bouger, parce qu'étant donné que je lis sur les lèvres, en général, quand j'arrive pas à très bien entendre. Et pour mon fils, j'ai trouvé ça beaucoup mieux, du coup, parce que je vois qu'il réagit beaucoup plus, même si on a des expressions qui passent par les yeux. Je pense qu'avec le visage entièrement, et notamment par rapport au sourire, à la façon de parler, on voit beaucoup mieux avec le mouvement de la bouche. 1, 2, 3. As-tu vu la vache ? La vache aux yeux bleus, bleus, bleus. Avec sa petite queue nature terminée par un plumet. Je pense que c'est important que les enfants voient
le visage et en tout cas la bouche des adultes qui les encadrent pour permettre l'imitation, l'apprentissage de la parole et le fait de reconnaître les visages pour une sécurité affective aussi au quotidien. Salut. Dis bonjour. Oh. Voilà. Vous voulez que je vous le pose où? Bon, on va s'installer sur le tapis. Tu vas là, Belin? Hein, mon amour? Qu'est-ce que t'as vu? Je te pose ici? Comme Camille, en fait, est un enfant qui est sourd, il faut qu'il puisse localiser les sources de bruit, et notamment, quand on lui parle, on nous a toujours dit qu'il faut bien qu'il fixe le visage des individus et qu'il voit les lèvres bouger pour qu'il comprenne que ça vient, que le son sort de la bouche. Donc c'est vrai que quand les masques transparents sont arrivés à la crèche, moi je me suis dit, c'est très bien. Et d'ailleurs, je pense que lui, en retour, il réagit mieux. C'est bien, bravo, bravo. Tu tapes? Tu joues? Oui. Regarde. Tu peux taper dessus aussi. Pour des enfants qui sont porteurs de handicap et qui sont, par exemple, malentendants, on voit que ça a un effet beaucoup plus captivant pour l'enfant. Ça interpelle beaucoup plus son regard et ça lui montre vraiment les mouvements des lèvres qui doivent être faits quand on parle. Ça va ? Quand on voit ces petits petons, on se dit qu'ils sont pas trop traumatisés, mais c'est vrai, c'est comme l'impression que c'est vraiment un, je sais pas, c'est un accessoire. Ouais, c'est visible quoi. Après, c'est vrai qu'on comprend que ce soit bien de voir les mouvements de la bouche. Pour enchaîner sur le port du masque des enfants, c'est vrai qu'en tant que parents, on a tous eu un petit l'estomac un petit peu tordu quand on a vu nos enfants de CP si petits, 5 ans, au début de l'année, mettre leur masque. J'étais parmi ces mamans-là. Et puis bon, bah, c'est vrai que moi, mon fils s'est très bien adapté. Puis on a entendu ça, oh, mais pff, ce sont les enfants, ils s'adaptent à tout. Est-ce qu'on peut tirer un bilan? Est-ce que ça a eu quand même un impact sur eux? Bah, les enfants s'adaptent à tout, mais les enfants, ils s'adaptent surtout pour ne pas inquiéter les adultes. Donc, il faut toujours se méfier des enfants qui paraissent hyper adaptés, qui ont des adultes qui disent non, ils ne sont pas touchés, alors que plus tard, ils nous protègent davantage qu'ils ne se protègent eux. Le port du masque chez les petits, ça leur a permis de ne pas se sentir exclus. Parce qu'on leur disait, il faut avoir un masque, parce qu'il ne faut pas être contaminé et pas contaminer les autres. Il faut se protéger, mais toi, tu n'as pas le droit au masque. Alors, ça n'avait pas tellement de sens. Donc, moi, j'ai pas mal de petits patients de 4-5 ans mais qui mettaient le masque, même quand ce n'était pas obligatoire, dans la rue. Ils se sentaient comme les adultes. Donc au niveau de l'identification, c'était pas mal. Par contre, très concrètement, la façon dont ils portent le masque, au niveau sanitaire, très rapidement, le masque, ils le posent, ils le remettent, ils traînent partout. Enfin, c'est peut-être plus placebo qu'autre chose, mais dans la façon de leur signifier que c'est une façon d'être protégé, c'est important, parce que les adultes le portent. Ça n'avait pas de sens d'avoir des adultes qui le portaient, les grands dans les familles, qui le portaient, mais pas le petit. Mais d'ailleurs, encore maintenant, moi qui ai un enfant en maternelle et un enfant en CP, le petit comprend pas pourquoi il se sent exclu. Alors du coup, il pique les masques et il les met comme un déguisement. Bon, pourquoi pas? Justement aussi, j'ai du masque. On a une question de Camille. Ma fille de 6 ans ne supporte pas de porter le masque. Lorsqu'elle rentre de sa journée d'école, elle présente des nausées, des céphalées, fait même des terreurs nocturnes. Donc face à son dégoût d'aller à l'école, notre médecin a écrit un certificat pour dispenser notre fille de porter le masque. Mais évidemment, sans celui-ci, il lui est interdit de jouer avec ses amis. Elle est donc peut pas participer non plus aux ateliers collectifs. Elle est isolée, stigmatisée. Comment est-ce qu'on accompagne cette petite fille, justement, qui est dans un cas bien particulier? Alors c'est particulier, mais il y a un certain nombre d'enfants et d'adultes qui ont ces problèmes-là. Alors, des fois, c'est des problèmes d'allergie, des fois, c'est des problèmes de respiration, c'est extrêmement anxiogène d'avoir le masque pour respirer. Donc on peut l'accompagner avec des exercices de respiration, du yoga, sans faire trop de mouvements de gym. J'étais totalement impressionnée, Agathe. Mon corbeau de côté a marqué les esprits. Je prendrai des leçons, mais sans en arriver à ces extrémités-là, et qui sont tout à fait remarquables, on peut lui apprendre à respirer, à apprendre à contrôler son souffle et son anxiété. Et puis on peut aussi investir, même si ça a un coût, dans ce qu'on appelle les visières, qui permettent aux enfants d'avoir donc une grande visière plastique et de puis être gêné par le masque, et c'est beaucoup moins oppressant au niveau de la respiration. Et est-ce qu'on pourrait envisager que l'enseignante ou l'enseignant explique aussi aux camarades pour peut-être qu'ils comprennent que si elle n'a pas de masque, c'est pas parce qu'elle ne veut pas se protéger, etc. Parce que j'imagine que le ressenti est difficile. Ça serait important. Encore faudrait-il que les enseignants puissent être formés à cette question-là et qu'elle ne soit pas stigmatisée, en effet. Entre autres, quand il y a des cas contacts ou des cas Covid, qu'on ne dise pas que c'est à cause d'elle, ce qui est arrivé dans certaines écoles.
Alors, il y a certaines décisions aussi extrêmes, dont on en a beaucoup, hein, de parents sur les réseaux qui disent « Moi, pour éviter tout ça, j'ai déscolarisé mon enfant. Mmh. » C'est une solution possible ? Alors, c'est une solution qui est possible, mais institutionnellement, ça va être de moins en moins réalisable parce qu'il faut passer par des commissions pour avoir l'autorisation de scolariser à la maison pour des raisons médicales exclusivement. Donc là, on peut toujours dire qu'il y a des troubles anxieux, mais ça va être une commission médicale qui va valider ou pas l'autorisation de scolariser par le CNED, par exemple, qui est l'enseignement à distance. Donc sur le principe, on peut, mais en pratique, ça va être de moins en moins possible parce que le ministère a mis en place de nouvelles restrictions pour la scolarisation à domicile. D'accord. Question de Sandra à propos de la responsabilité qu'on fait porter aux enfants. Regardez. Bonjour la maison des maternelles. Mon fils de 7 ans et demi est concerné par le port du masque à l'école. On constate de plus en plus qu'il a une démotivation pour aller en classe. D'où ma question. N'est-on pas en train de faire porter une trop grosse responsabilité aux enfants en leur faisant porter le masque pour protéger les plus fragiles ? Et est-ce que cette charge peut avoir des conséquences psychologiques, comportementales ou relationnel sur le long terme? Merci. La réponse est oui. On est tous assez inquiets, les professionnels de la petite enfance, des répercussions de la pandémie sur les enfants, sur leur investissement, la confiance en l'autre, la confiance en l'adulte, la confiance en soi, parce qu'ils ont besoin d'être dans un environnement sécurisé pour bien évoluer et qu'actuellement, c'est compliqué. En plus, le masque, ça cache le visage. On leur dit de parler pour aller bien, mais on met un masque devant le visage, donc il y a quelque chose de très paradoxal. Et on se rend compte actuellement d'une sorte de clivage qui pourrait laisser penser que les enfants, les ados, les jeunes adultes seraient responsables de la transmission, de l'évolution de la pandémie, et pas les personnes plus âgées ou les seniors. On le dit moins, ça, quand même. On l'a beaucoup dit. On l'a beaucoup dit jusqu'à Noël dernier, et puis je trouve qu'on le dit moins. Tout à fait. Mais on l'a beaucoup dit, et pour les enfants, ça fait des traces. Pour les étudiants, ça fait des traces aussi. C'est compliqué. Nous, on passe à autre chose, mais eux, ils restent marqués par rapport à ça. Il y a une évolution qui est liée aussi à l'évolution des données scientifiques, mais ça a profondément marquer les gens et on fait porter beaucoup de choses sur les enfants sans forcément leur apporter la sécurité nécessaire et j'insiste, sans forcément réassurer les parents et avoir des espaces pour les parents inquiets, pour les professionnels qui en font beaucoup, beaucoup, beaucoup et à qui on demande beaucoup, ils n'ont pas d'espace pour gérer ce stress aussi et c'est pas simple. Vous aviez raconté une anecdote terrible, je me souviens, sur un petit patient dont oui. Le père était mort de la oui. Covid. En tout début, en mars, et on avait dit à la maman, s'il est mort, c'est à cause de votre fils. Parce que c'est des fils qui, enfin, c'est des enfants qui sont porteurs. On disait Covid-1, enfin confinement 1, on ne le dit plus maintenant. Mais voilà, il y a des choses qui restent un peu compliquées. Ouais, effectivement. On sous-estime un peu quand même la charge qu'on leur a fait porter. Oui, on leur fait porter une charge d'autant plus forte que involontairement, les enfants portent toujours leur propre charge et celle des parents. Donc, ils voient les parents inquiets, ce qui est logique, hein, totalement dans l'incertitude. Et inévitablement, ils essayent de. Voilà, ils ont leur petite vie d'enfant et il y a cette charge-là qui aura probablement des conséquences. Lucie qui aimerait des clés pour pouvoir tout simplement rassurer ses enfants. Bonjour la maison des maternelles, je suis Lucie, maman de 4 enfants dont les aînés ont 7 et 5 ans. La situation du Covid commence vraiment à leur peser physiquement car le lavage pluricotidien à l'école leur entraîne des irritations de peau, mais aussi moralement car la cour de récréation est en CND, ils ne peuvent plus jouer avec les élèves des autres classes, ni même entre eux, chose qu'ils avaient l'habitude de faire auparavant. De plus, le week-end nous ne faisons plus aucune sortie étant donné qu'il y a le couvre-feu et les restaurants fermés. Donc comment expliquer et rassurer nos enfants quant à l'enchaînement de ces mesures, et d'autant plus quand nous ne voyons pas le bout de la situation. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Alors un bon édito de Lucie hein, qui résume oui, quand même ouais, la question. N'empêche de journaliste, hein, Lucie. Depuis le week-end dernier, n'empêche les clubs de sport notamment peuvent refaire du sport avec les enfants dehors. Et moi j'ai assisté à ça le week-end dernier. Je voyais des gamins qui avaient l'air fous de bonheur et de joie de pouvoir courir dehors, etc. Est-ce que là elle dit on sort plus du tout, etc. Est-ce que c'est pas déjà un bon moyen de s'y sortir, les faire Alors, courir, sortir tant qu'il fait beau, c'est possible. Les beaux jours arrivent, on peut espérer que ça va permettre de libérer cette énergie qui est très confinée pour le coup. Mais ce que dit cette maman, c'est important. C'est toute la question du mode relationnel. On a beaucoup d'enfants, de petits qui ont peur des autres. L'autre devient dangereux. C'est ça la pandémie. Être en contact avec les autres, c'est dangereux. Les moments de repas, c'est dangereux.
on mange tout seul. Les moments de jeu, c'est dangereux. Donc c'est toute la question du lien social qui est réinterrogée. Il faudra probablement beaucoup de temps pour permettre à ces enfants de tisser un autre mode relationnel sans avoir peur de l'autre, alors qu'ils ont besoin de l'autre pour grandir. Et des petites pistes, c'est peut-être temporaliser en expliquant que, oui, on passe un moment extrêmement difficile. Ce virus, il va probablement rester encore des années, mais on va apprendre de mieux en mieux sur lui, on va traiter de mieux en mieux les pathologies. Il y a le vaccin qui arrive, ça on peut le dire. Quand même. Le vaccin arrive avec les variants, avec un vaccin qu'il faudra renouveler, etc. Donc, il y a la notion de, c'est pas magique, le vaccin c'est comme la grippe, donc c'est important, mais c'est surtout les traitements qui vont être importants. La connaissance du virus, ça va permettre de mieux le contrôler. Et donner un exemple sur d'autres maladies graves qu'on a réussi à contrôler, on arrive à vivre avec, et c'est important de les projeter aussi sur l'avenir. Arriver à se rassurer sur le présent, on est là, on vous aime, vous n'êtes pas tout seul, bah, on s'adapte, on se réadapte, on fait des petites choses ensemble, mais quand même des petites choses, on sort si on peut sortir, mais se projeter sur l'avenir, c'est vraiment fondamental. Il ne faut pas être un tout petit peu plus vigilant quand on a un enfant unique, parce que c'est vrai que par exemple pendant le premier confinement, quand on avait des fratries, bon, ils s'amusaient ensemble, mais ça doit être très compliqué pour les enfants tout seuls. Alors, les fratries en confinement petite... c'était pas très simple forcément. Non, c'était pareil chez moi. Voilà, il y avait un mort, effectivement. Il y a eu quelques retours. Là. Le confinement en fratrie, c'était bien au début, mais voilà, c'est à petite dose. La fratrie est une ressource incroyable pour les enfants hors période pandémie, en cette période-là en particulier. Mais en période, ça serait intéressant de faire une émission parce que là-dessus, la fratrie en période de pandémie, ça exacerbe aussi les tensions. Donc un enfant unique. Au quotidien, hors pandémie, c'est important d'avoir des amis qui ont des enfants, d'éviter un peu ce côté très fusionnel. On le sait bien, on le dit aux parents. Là, la pandémie exacerbe ça. Donc, bien évidemment, on essaye au maximum de sortir, de voir du monde, même virtuellement, via les écrans. Mais les fratries engagent aussi d'autres problématiques. Tu m'étonnes, si je peux me permettre de vous tutoyer. Question de Cindy à propos des consignes d'hygiène, parce que ça aussi, on les a tous saoulés avec ça, lave-toi les mains, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Non, mais ce sujet me passionne. On dirait John Wayne, le mec est là. Alors, les gestes. Et depuis hier, je m'étais dit, au moment où tu poses la question, tu fais le petit geste. Ça a marché. Je fais ça bien. Cindy, à vous. Bonjour. Mon fils de 7 ans respecte un petit peu trop bien les règles imposées à l'école et à la cantine. Par exemple, à la cantine, il peut refuser de manger si un camarade a touché la cuillère, ou voire même, il peut se mettre à pleurer en sortant de l'école parce qu'il a cassé son masque. Du coup, j'aurais voulu savoir comment lui expliquer que les angoisses des adultes par rapport au virus ne doivent pas devenir ses angoisses à lui. Merci. Alors, ça aussi, c'est vrai que c'est aussi de notre faute, mais on l'a tellement dit aux enfants, lave-toi les mains, etc., ça donne des tocs. On a beaucoup d'enfants qui viennent en consultation pour des TOC, donc troubles obsessionnels compulsifs de lavage, de rituels de lavage, qui ont des anxiétés majeures quand ils perdent leur masque, parce que le masque, pour certains, c'est comme une partie d'eux. Donc ils ont l'impression d'être amputés de quelque chose, c'est panique à bord. Et puis on leur dit tellement que c'est dangereux, si on n'a pas le masque, ils croient qu'il va leur arriver un malheur. Pas forcément mourir, parce qu'ils n'ont pas cette notion-là petit, mais un malheur. Ils ont peur de se faire gronder, donc ça crée des anxiétés massives, majeures. Donc c'est aussi important d'être assez souple. On apprend à se laver les mains, mais de ne pas non plus être dans une phobie du microbe, à se mettre du gel toutes les deux minutes. Parce qu'en effet, il y a des problèmes aussi d'irritation. On apprend à le faire régulièrement, mais sereinement, en expliquant à l'enfant pourquoi on le fait. C'est ça qui est important. On peut le faire de façon ludique. On l'avait fait dans une émission d'apprendre à mettre de la peinture et laver les mains pour montrer quand on se lave avec de l'eau ou avec un savon, parce que le savon, ça suffit aussi. Comment est-ce qu'il faut le faire pour que la peinture parte ? On peut rendre ça, entre guillemets, ludique pour que l'enfant s'approprie les choses. Mais en règle générale, qu'est-ce qu'il y a comme signes qui doivent nous alerter, nos parents ? Moi, je sais que mon fils aîné, il a commencé à avoir des tics, à se ronger les ongles et tout. Donc ça, c'était typiquement un symptôme de stress dû à la pandémie. Alors oui, ce qui devrait permettre aux parents d'avoir un élément de repérage, c'est une rupture dans le comportement habituel de son enfant. S'il se ronge les ongles depuis toujours, c'est pas lié à la pandémie, c'était pas le cas. Peut-être autre chose. Mais une rupture dans la continuité, c'est-à-dire des troubles anxieux, difficultés à séparer, difficultés du sommeil, des refus alimentaires ou des enfants qui comblent leur anxiété par trop d'alimentation, ils boivent beaucoup, ils mangent beaucoup. Enfin, une rupture, une attaque du corps, donc on se ronge les ongles, on se mord, on s'arrache la peau, on se griffe, on se mutile, on passe son temps à se laver, on se nettoie à l'éponge, enfin, des choses qui vont alerter les parents parce que c'est pas dans le comportement habituel de l'enfant. Et puis surtout, ça va hypothéquer. On voit que l'enfant souffre,
il s'apaise pas, et puis ça hypothèque, ça handicape son quotidien. Un enfant qui a des rituels comme ça, il va mettre 3 heures à s'habiller, bah, je mens pas, hein, 3 heures, parce qu'il va vérifier en permanence, il va pas vouloir se coucher parce qu'il a peur qu'il y ait le virus, donc il va se laver, relaver, enfin, ça n'en finit pas. Donc ça, c'est des éléments d'alerte. Les enfants qui se lavent à l'éponge, vous voyez, oui, ça est-ce que, oui, au squat brief. Qui se récurent, quoi. Qui se récurent, oui. Partie verte. Oui. C'est fou, oui. Ça. Au sang. Oui. Voilà, pour terminer, un point d'actualité, quand même, le 16 décembre dernier, une commission d'enquête parlementaire initiée par Marie-Georges Buffet, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, a rendu un rapport comprenant 80 propositions pour réduire l'impact de la crise sanitaire sur la santé des plus jeunes. On l'a un tout petit peu évoqué au début de notre discussion. Alors, parmi les principales propositions, il y a généraliser les masques transparents dans les crèches et les maisons d'assistantes maternelles, renforcer la protection maternelle infantile, c'est-à-dire la PMI, avec un plan financier, intégrer un pédopsychiatre au sein du conseil scientifique, ça a été fait depuis mi-février. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures, vous qui avez quand même du recul? Mais j'en ai fait partie, donc je ne vais pas les critiquer, parce que je faisais partie des experts pas balancer, qui ont été là. Auditionnés. Non, on a alerté, Marie-Georges Buffet est très attentive à ce qu'on a pu lui dire de l'impact sur les enfants. Les mesures sont extrêmement importantes en termes de prise en compte de la souffrance psychique des enfants et de l'impact de la pandémie sur les enfants et leur devenir. La seule inquiétude et la seule incertitude, ça va être l'application des mesures. Les moyens mis. Alors, il y a un pédopsychiatre qui a été nommé, on essaye de voir pour les prises en charge psychothérapeutique financée par les mutuelles, mais c'est pas encore gagné, ça a été annoncé mais c'est pas encore fait, ça sera que 4, un suivi c'est pas 4 séances. Il manque en médecine scolaire, on n'a pas une médecine scolaire qui est en palliatif, on devrait avoir un psychologue, un infirmier, un médecin dans chaque établissement scolaire. Si le gouvernement veut vraiment faire en sorte de prévenir les troubles et d'accompagner les enfants, la médecine de santé scolaire, de prévention de santé scolaire, doit impérativement avoir les moyens d'agir. C'est strictement pas le cas actuellement et il n'y a aucune annonce à sujet-là. Donc, ce qu'a proposé Marie-Georges Buffet est très pertinent et je serais mal placée pour dire le contraire. Mais la question maintenant, c'est entre ce qui a été demandé et l'application, qu'en sera-t-il ? L'éternel débat. Hein, quel que soit de toute façon le sujet, je crois que c'est ça. C'est, on est pétri de bonnes intentions, mais après, il faut avoir les moyens de le faire. Merci mille fois, Hélène Merci Romano, d'être venue, hein, fidèle au poste. À chaque fois qu'on a un trauma ou à chaque fois qu'on a de grosses angoisses, merci pour vos conseils. Merci aussi à vous, famille, qui prenez le temps de nous envoyer vos questions vidéo parce que vous nourrissez nos émissions. Et puis merci à Floriane Gillette pour ce dossier magnifiquement préparé, comme d'habitude. Un appel à témoins, Benjamin. Les affaires récentes d'inceste et de violences sexuelles sur enfants ont mis en lumière l'importance d'évoquer ces questions très tôt avec les jeunes enfants. La découverte et le respect de son propre corps, du corps de l'autre, les interdits aussi. Lors d'une prochaine émission, on va répondre à toutes vos questions sur le sujet. La nudité, le bain avec les enfants, le bain entre enfants, la masturbation infantile, etc. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en vidéo ou plus anonymement par écrit, lmdm@dep2l.com. En voilà encore un sujet plus que crucial, hein, Hélène, dont on va parler bientôt. Peut-être que vous allez revenir. Tout de suite, on va parler du 4e trimestre de la grossesse. Alors, vous allez me dire, what's up this? Eh bien, c'est le postpartum, les gars, qui dure donc, d'après Anna Roy, 3 ans. C'est l'heure de pratiquer. Bonjour, Julie. Bonjour. Je crois que c'est votre 3e enfant. C'est ça. Et vous êtes à 4 mois de grossesse. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du postpartum? Oui, parce que vous l'avez forcément vécu. C'est ça, tout à fait. Et vous avez vécu ça comment? Alors, pour mes deux filles, je vais être tout à fait honnête, ça s'est plutôt bien passé, parce que peut-être qu'on va y revenir aussi, mais il y a plusieurs choses pour moi à prendre en compte, et aussi la présence du papa, qui a sûr. Été forcément nécessaire et qui a beaucoup aidé. Tout à fait. Alors, c'est à la fois la période la plus heureuse et qui peut être aussi la plus difficile. Alors déjà, on va commencer par dire ce que c'est, parce que souvent les gens ne le savent pas. Le postpartum, c'est la période qui va dès la sortie du placenta. Donc en fait, ça commence dès la salle d'accouchement et ça commence très fort. Et en fait, dans le postpartum, ce qui est incroyable, c'est que ça change en fait. Le fait d'avoir un enfant change complètement l'existence. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais l'existence de quelqu'un. Tous les pans de votre vie vont être impactés. Alors évidemment, le corps va changer, va se modifier, vous allez avoir mal, pas mal, vous allez vous remettre plus ou moins vite. La vie familiale, il y a le chamboulement des générations, la vie professionnelle, on réinterroge son travail, enfin vraiment tout, la vie sexuelle, la vie amoureuse, la vie quotidienne, on a quand même beaucoup plus de tâches à effectuer par jour, de choses à penser quand on a des enfants. Et puis la vie psychique avec des femmes qui ont plus ou moins de mal à s'adapter à l'arrivée d'un nouveau bébé. Bref. Il faut construire une nouvelle personne. C'est un peu comme l'adolescence où vous passiez d'un état d'enfant à un état d'adulte. Et bien là, vous êtes en train de faire une nouvelle personne. Donc c'est épuisant,
Mais en même temps, c'est hyper chouette, je sais pas. C'est ça. Bah, en fait, c'est ça. C'est... On sort, on se met dans l'idée qu'on va devenir une maman, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est ça. Tant qu'on n'a pas accouché, tant qu'on n'a pas le bébé posé sur nous. Et souvent, on se dit, bah, en fait, le plus dur, c'est l'accouchement. Les femmes dont c'est le premier bébé se fixent l'accouchement. Alors qu'en fait, tout commence après. C'est ça. Vous diriez que ça dure combien de temps pour vous, le postpartum ? Alors, le postpartum, pour moi, il débute, comme on vient de le dire, au moment de l'accouchement. Ouais. Clairement, c'est le gros chamboulement. Et puis, il va jusqu'à, je sais pas, je dirais peut-être les 3 premiers mois. J'ai pas un ordre précis. Mais en tout cas, les premiers mois où il faut s'adapter, retrouver un corps, s'accepter tel qu'on est, parce que clairement, il faut le dire, c'est pas toujours évident. Non, exactement. Alors, Julie, ça, vous faites partie des plus chanceuses, presque. Alors, il y a d'abord la définition médicale. Vous savez, la définition médicale, c'est la durée jusqu'à ce qu'on ait de nouveau le retour des règles. Oui. Donc ça, c'est très variable selon les femmes. Oui. Après, vous avez la définition de certaines personnes qui ont dit c'est le quatrième trimestre, c'est le premier mois, c'est le mois d'or, c'est le mois je sais pas quoi. Moi, vous voyez, ce que je pense, c'est qu'il faut 3 ans. Alors, je dis 3 ans, c'est pas pour affoler les gens. Au contraire, c'est pour vous dire, le temps qu'on retrouve sa forme d'avant, moi, je trouve qu'il faut 3 ans. Au bout de 3 ans, quand l'enfant a 3 ans, ah, on sent retrouver l'énergie. Alors, ce qui se passe souvent, et vous l'avez fait comme moi, c'est-à-dire que vous avez remis un enfant en route, parce que je crois que vos filles ont 7 et 5 ans. C'est ça. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on peut rester en postpartum, du coup, pendant 10 ans. Parce que si on enchaîne les enfants, effectivement, il y a toujours cette phase d'adaptation. Mais il faut dire aux femmes, pour retrouver votre forme d'antan, redormir normalement, être normal de nouveau, oui. Il faut se dire 3 ans. C'est pour pas au contraire, pour ne pas désespérer les gens. Et vous voyez ça plutôt comme une chance, ça permet de réinterroger la personne qu'on est et de construire une nouvelle personne. Alors après, il y a des phases quand même. Comme vous le disiez, quand vous dites que ça dure quelques mois, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les 6 premières semaines, où là, on a mal, on se remet, on dort beaucoup, enfin, on dort pas beaucoup, quand mais on dort morcelé, pardon. On est un peu dans un état comme ça. Après, vous avez les 6 les premiers mois, comme vous disiez, où là, il y a l'histoire du périnée, d'essayer de sortir des nuits difficiles, etc. Première année, il y a un cap. Je trouve qu'effectivement, au bout de la première année, on commence à sortir de la tête de l'eau. Et on va se dire que pour vraiment la forme olympique, c'est 3 ans. Parce que souvent, les femmes se disent, mais cet état de mononucléose latent, hein, parce qu'il y a des femmes qui ont l'impression d'être tout le temps épuisées, on en sort quand même. Je ne sais pas si vous en êtes sorties. On en sort. C'est vrai que moi, dans mon idée, on m'a toujours dit, tu verras, il te faudra au moins une année pour retrouver un corps, déjà. Ouais, exactement. Ton corps d'avant accouchement. Mais oui, c'est clair, il faut ce temps-là, il faut être accompagnée. On n'est pas toute seule dans le bateau. Et ça aussi, c'est... Alors ça, c'est vachement important. Et puis se dire aussi que les pères ou les seconds parents, de manière générale, ils vivent aussi un chamboulement interne très, très important. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a le même chamboulement. Alors, il faudrait l'étudier. Moi, je suis moins spécialiste de ces questions, mais eux, c'est la même chose. En fait, ils doivent construire une nouvelle personne. Parce que nous, c'est physiquement, mais eux, c'est plus, c'est plus dans le psychique. Oui, c'est tout aussi. C'est un accompagnement, c'est un tout. Alors, 5 conseils phares, moi, je dirais. D'abord, se faire aider. Avoir l'humilité de se dire, je ne vais pas tout pouvoir faire. Je suis convalescente à la sortie de cet accouchement. Il me faut de l'aide. Le papa, la famille, une travailleuse familiale, la PMI, une sage-femme, n'importe qui, mais il faut aller chercher de l'aide. Se dire que ce n'est pas un sprint, qu'en fait, on s'inscrit dans un temps long. Donc, soyez gentil avec vous-même et pas trop exigeante. Step by step, et vraiment, vous faites les choses petit à petit. Vous savez qu'entrer dans le monde, je ne sais pas si ça vous avait fait ça, mais dès qu'on rentre dans la maternité, on se sent coupable tout le temps, à toutes les minutes de sa vie. Ne vous sentez pas coupable tout le temps. C'est-à-dire, vous savez, dès qu'on est au travail, on se sent coupable de ne pas être avec son bébé. Dès qu'on est avec son bébé, on se sent coupable de ne pas être au boulot. C'est ça. En fait, on a une espèce de pression psychologique qu'on se met, alors qu'en fait, ça n'a pas lieu d'être. Voilà, il faut vraiment arriver à se détacher de ça. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile, oui, c'est ça. Savoir aussi que c'est un état transitoire, je vous le promets, moi, j'y croyais pas, mais je commence à retrouver la forme d'avant. C'est-à-dire qu'on retrouve sa forme d'avant, sa capacité à agir et à être bien. Et en fait, il faut voir non pas cette période comme un truc qu'on subit, mais comme une chance, en fait. Parce que souvent, il y a des femmes qui changent de métier, qui solidifient leur couple. Enfin, en fait, ça peut être chouette, vraiment chouette. Ça peut être chouette et je pense qu'aussi, il faut se donner les moyens parce que ça peut être difficile pour certaines personnes et certaines femmes. Mais je pense qu'il faut effectivement qu'elles prennent ce truc-là à bras le corps en se disant, à un moment donné, même si je suis fatiguée et éreintée, allez, c'est bon, il faut que j'y revienne. Ouais. Je suis une femme avant tout et allons-y, quoi. Exactement. Il faut se retrouver un peu la pêche. Mais c'est plus ou moins facile. Mais c'est plus ou moins facile. Et on n'a pas toutes le même postpartum, ça je voulais finir par ça. C'est que selon les circonstances de l'accouchement, de la situation familiale, on peut avoir des postpartums très difficiles et d'autres qui sont nettement plus simples. Merci beaucoup, Julie, d'être venue. Merci à vous. Merci, Julie. Merci, Anna. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que vous faites ? Quoi ? Il n'y a rien de changé, hein ? Non. Détendez-vous. C'est assez insupportable. Mon petit renardo curieux, avec ses petites lunettes à pouvoir magique, il a fouiné le renardo sur les réseaux pour voir un petit peu ce qu'il y avait chez les mamans créatives. Croyez-moi, il y a du dos. C'est l'heure de tester avec Marie Perrano.
Only all rain and sand. Practice for. Pas mal. Ça donne un petit look, un petit style. Oula, on a un style de folie. Alors, Marie Perarnaud, donc. Je vais mettre un tout petit peu sur mon petit crâne. Qu'est-ce que vous bossez, hein? Vous êtes là en train de fouiner par-ci, par-là, et vous nuit, mettez des nuit trucs géniaux. Nuit et jour, je fouine. Les mamans sont créatives et créent magnifiquement bien. La maternité leur donne des ailes, de l'inspiration, et comme elles ont du talent, eh bien, c'est réussi. J'ai fouiné pour vous et je vous ai dégoté de petites merveilles. On va commencer par les petites hirondelles. Alors, les petites hirondelles, au départ, ce sont surtout des articles de décoration pour les chambres, sublimes évidemment car animalières. On a des affiches, j'adore on ça. A cette petite merveille elle est trop belle. En bois. On a également de la bête. On veut... Ah, raté. Oh, Marie, oh, attendez, je vous le refais. Regardez de la bête. Oh là là, oh, le hérisson, il est trop beau. Un hérisson superbe. Et elle s'est lancée également. Alors, elle fait tout, Annecy, toute seule, à la main. Enfin bref, c'est super joli, en bois de forêt éco-géré. Et elle fait aussi des outils éducatifs, dont cette petite chose que j'ai beaucoup aimée. Vous savez que j'œuvre pour que mes enfants soient autonomes et puis remplissent de petites tâches dont ils peuvent être fiers. Eh bien, elle a créé ce petit nuage d'activités, justement, pour découvrir de petites activités, un petit peu comme un rituel du jour. Donc, par exemple, je prends ma douche, je passe le balai, évidemment, vous voyez que j'ai mis des choses vraiment essentielles pour moi, pour leur éducation et leur autonomie, je range mes vêtements sales, évidemment, je me brosse les dents pour sentir bon de la bouche, et puis je mets mon pyjama. Donc voilà, on va sélectionner parmi les petites étiquettes qui nous semblent importantes à faire, et puis selon l'âge de son enfant, bien entendu, on va pouvoir accrocher ce petit nuage dans la chambre, et ça va permettre, je vide le lave-vaisselle, ça c'est celui de mon mari. Voilà, je suis prêt pour lui. Oh, quelle belle attention. Oh, non, mais ça me fait plaisir. J'adore, vraiment. Oui, tout à fait. Alors, ensuite. Ensuite, une initiative géniale, ça s'appelle My Hosto Rigolo. Alors, vous allez me dire, pardon, mais Hosto Rigolo, c'est pas hyper rigolo. Bah, si, justement, mettons un peu d'humour. Mettons d'humour et de l'occupationnel aussi. Les enfants hospitalisés, c'est pas forcément marrant du tout, disons-le, surtout en ce moment. Donc, cette box a été conçue justement par trois femmes, donc médecins, art-thérapeutes et psychothérapeutes, pour créer une box qui accompagnerait un enfant hospitalisé. Donc, on va trouver des jeux. Alors, tout est évidemment décliné sur le thème de l'hôpital. Un jeu de cette famille, un memory. Il y a un partenariat avec un artiste également qui va proposer, et vous allez voir, franchement, c'est hyper riche, un cahier pour découvrir un artiste avec énormément de choses à faire. Des marque-pages, des cartes postales à envoyer à la famille, des coloriages. On a énormément d'outils aussi pour garder le lien, un carnet de bord, hop, le petit tableau de traitement. En fait, tout ce qui peut être un petit peu dépersonnalisé et pas sympa à l'hôpital, eh bien, ils ont fait en sorte, justement, d'avoir des choses plus ludiques et plus joyeuses à proposer. Donc voilà, c'est une box que vraiment je voulais vous présenter ce matin parce qu'on en manque. Et moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent « Voilà, j'ai pas de support, mon fils doit être hospitalisé quelques jours, c'est pas drôle ou plus longtemps. » Eh bien voilà, la box existe, s'appelle « Mon Hosto Rigolo ». Et franchement, bravo et chapeau parce que ça manquait. Et donc, c'est en projet en ce moment. Donc rendez-vous sur leur site pour en savoir plus. On change complètement de décor, on s'intéresse aux couches. Oh. Les couches lavables, vous savez que j'en parle souvent et je vous présente souvent des grandes marques qu'on connaît, Amac, Apple Chic, Bambino Mio, mais il y a aussi des créatrices de couches comme Coco la Mouette. Oh. Coco la Mouette, écoutez, elle m'a conquise. Pourquoi ? Parce que les couches sont super jolies. Évidemment, trop tout mignon. Est made in France. Et vous allez retrouver exactement le même concept que sur des couches de grandes marques. C'est-à-dire que ça, c'est la tout-en-un. Si vous êtes un habitué, vous le connaissez, c'est ce qui va remplacer complètement une couche jetable, on va le mettre à son enfant et on va mettre tout ça à laver, l'insert Coco la Mouette et la couche avec la partie imperméable, tout ça va à laver. Et ce qu'on appelle les tout en deux, c'est-à-dire qu'on a juste la partie extérieure ici et puis on va ajouter l'insert, on changera juste l'insert deux à trois fois avant de tout laver. Donc bref, pourquoi on les aime? Parce qu'évidemment, elles sont faites avec amour et elles sont, contrairement à des couches parfois où on a, vous savez, une taille unique, celles-ci, elles sont déclinées en énormément de tailles, ce qui va permettre de coller le mieux possible au petit cucu de notre enfant. Donc je valide et en plus c'est magnifique. Et le Made in France, bon bah vous me connaissez Agathe, vous bien me connaissez. Sûr. Made aussi. In France pour nos lunettes yéyé aussi. Bah, bien sûr. Regardez-moi ça, elles ont été conçues. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un modèle unique. Ah, de 18 mois à 8 ans, enfin à 8 ans j'ai envie de vous dire non, à beaucoup plus que ça, regardez, bien entendu. Jusqu'à 47, mais ça passe. Et ça passe, hein, on est ça bien. Passe. Donc évidemment, catégorie 3, 100% recyclable, 100% anti-UV, bon, bah, ça on s'en doute. Toutes légères. Et puis, elles sont très légères, elles sont faites à base d'huile de ricin. Ah bon?
Oui, matériaux naturels, 50 euros tout compris, livraison offerte. Je trouvais que c'était un prix très correct pour protéger les petits yeux de nos enfants, de manière en plus un petit peu jolie, ça nous change des lunettes habituelles. Ensuite, les veilleuses, elles sont jolies, elles sont douces, elles sont surtout faites à la main en pièces uniques et personnalisables. On va pouvoir avoir le prénom aussi de son enfant, un travail d'orfèvre. Alors vous allez voir qu'à l'arrière, hop, on va pouvoir allumer notre petite veilleuse. Comment elles font ? Je ne sais pas. Voilà, et donc c'est superbe, c'est MG Création qui propose ces veilleuses qui sont absolument magnifiques. Franchement, je voulais vous les montrer ce matin, c'est du talent, sublimissime. Et voilà, là encore, on accompagne son bébé avec douceur. Et on termine avec les coloriages. Les coloriages en tissu. Pourquoi les coloriages en tissu ? Eh bien, ma foi, parce que c'est quand même bien plus écolo que de jeter un milliard de choses. Donc, les trajets en voiture, regardez-moi ça, vous prenez vos petits feutres. Et puis, donc, c'est perles, fleurs et ciseaux qui créent ça. Vous avez votre petit cahier de coloriage, en plus, qui est absolument magnifique, puisqu'il y a de la loutre dedans. Donc, on colorie. Une fois que le coloriage est terminé, on passe en machine. Et puis, on va pouvoir réutiliser ça en survalide. C'est une trop bonne idée, ça. C'est génial, c'est génial. Je n'ai pas d'autres mots, Agathe. C'est génial. Écoutez, quelle belle sélection. J'aurais adoré inventer ce truc-là, mais pas du tout. Vous vous dites, oh là là, j'ai passé un tellement bon moment, j'aurais aimé qu'il dure encore et encore. Il peut durer si vous allez sur le site de la Maison des Maternelles, lamaisondesmaternelles.fr, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez une angoisse ? On vous désangoisse sur le site. C'est pas beau. Vous allez retrouver aussi tous les tutos d'Anna. Et Dieu sait qu'Anna vous aide à tous les moments de votre grossesse et de votre accouchement. Benjamin, le prénom du jour et le bébé du jour, qui est-il ? Le prénom du jour, c'est Agnès. Oh, Agnès, un beau prénom. Agnès qui vient du grec agné, qui veut dire pur, chaste ou encore sacré. Et c'est le prénom de la maman de Marie. C'est pour ça. C'est dire si elle est pure, chaste et sacrée. Elle est hyper sacrée, ouais. Sacrée Agnès, d'ailleurs, on dit souvent. C'est ça. Prénom très populaire dans les années 60-70. Moins donné aujourd'hui, mais ça va redevenir la mode depuis qu'on sait que la maman de Marie s'appelle Agnès. Ah oui. On fête les Agnès les 21 janvier. Alors des Agnès célèbres, bah il y a Agnès Yaoui, il y a Agnès B, il y a Agnès Varda, il y a Agnès Buzyn et il y a votre nièce. Oui, non, ma nièce, elle s'appelle pas Agnès. Mais c'était joli, c'était joli. Non, je voulais souhaiter la bienvenue à la petite Salomé qui est ma nièce. Petit bébé, voilà, qui est trop mignonne. Elle est trop belle. Elle est très belle. J'embrasse extrêmement fort ma petite sœur qui a donné naissance. Très, très bien, d'ailleurs. J'ai eu, grâce au conseil d'Anna, elle est partie au bon moment à la maternité. Et j'embrasse très, très fort donc, ma sœur Chloé, Nuno, le papa et Rosa, la grande sœur, ça y est, qui est passée un grade au-dessus. Oh, j'ai bien chialé, n'empêche. Quand je... dis donc. Quand on n'a plus de bébé à soi, on projette vraiment sur ceux des autres. C'est terrible. D'ailleurs, il est possible que je la kidnappe. Marie à livre pour Salomé pour plus tard. Alors là, c'est plutôt pour faire écho à notre discussion de tout à l'heure. C'est le journal d'une année géniale et parfois pourrie. C'est un bouquin que j'ai trouvé très, très sympa. Pourquoi ? Parce qu'il a été écrit par Dorian Lafont avec sa maman Amélie. C'est le bouquin d'un gamin, d'un petit garçon qui a commencé une année assez normale, comme tous nos enfants, et puis qui s'est tapé, comme tous nos enfants, ce fameux confinement. Donc il a décidé d'écrire, de mettre en mots tout ce qu'il a ressenti. Donc il était en CM2, c'est plutôt pour des enfants de 7-8 ans qui commencent à lire. Une chouette histoire qui va vous rappeler évidemment de bons ou de mauvais souvenirs. L'initiative m'a aussi beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était quelque chose qu'on pouvait peut-être faire avec nos enfants, mettre en mots aussi ce qu'ils vivent. Et ça permet vraiment de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Donc très très joli bouquin à lire. Très bonne idée, merci Marie. Dans un instant, dans une heure juste après la Maison des Parents, vous retrouverez Anna Roy en Facebook Live. Elle répondra à toutes vos questions. Je parlais d'angoisse tout à l'heure, mais justement si vous avez des angoisses, vous n'hésitez pas, elle est là pour vous aider à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez, elle donne d'elle-même, c'est mal. Et la Maison des Parents, c'est sur les rivalités fraternelles. Donc ça, j'imagine que ça vous parle, vous qui êtes chez vous. Donc restez avec nous, on a parlé des petits. Maintenant, on va parler des plus grands. Bienvenue à Agnès et à tous les bébés du jour. Reproduisez-vous, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. Mais je pense que c'est toujours d'actualité. Bisous.